Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette présentation. J'espère que chacun a pu trouver le moyen de se connecter pour rejoindre cet atelier. Le sujet d'aujourd'hui va se décliner dans un format relativement court, de 40 à 45 minutes, dans lequel va vous être présentée une initiative audacieuse. Celle-ci s'inscrit dans une actualité qui, elle aussi, nous invite à être d'audacieux conquérants. Et vous allez le découvrir au fil de cette présentation. Elle sera aussi déclinée en anglais pour favoriser la compréhension auprès de participants qui seraient anglophones. Je vous remercie en tous les cas pour avoir répondu favorablement à cette initiative et merci encore pour votre présence. Je remercie également le Jocelyn Le Gall, le consul de France à Cork, d'avoir encouragé cette initiative. Alors, pour introduire le débat aujourd'hui, je voudrais rappeler une œuvre d'un très grand écrivain qui a été visionnaire en proposant les États-Unis d'Europe. Cet écrivain précurseur, c'est Victor Hugo, qui aussi a beaucoup regardé l'océan dans une œuvre exceptionnelle qui est « Les travailleurs de la mer ». Victor Hugo imagine la figure d'un roi au crinier de l'océan qui refuse l'usage de l'or et de l'argent sans son autorisation. Et la seule monnaie qui est autorisée dans son royaume est le coquillage. Coquillage dont la mer est l'inépuisable coffre-fort. Alors, cette prophétie n'est pas tout à fait un hasard, puisqu'elle s'est matérialisée d'une façon assez étonnante dans les relations entre la France et l'Irlande. Puisque ce sont, des ostréiculteurs qui se sont associés avec des courtiers en coquillage et qui sont partis tenter leur chance et fonder des petites exploitations en Irlande. Ils ont notamment racheté deux petites exploitations et fondé Sophie Selfish, qui est la société franco-irlandaise et qui existe toujours. Ce qui illustre la très grande convoitise des coquillages et en particulier des huîtres. Alors, on considère à peu près 86% des huîtres irlandaises sont exportées et partent en France. C'est un processus qui est assez long, puisque 3 à 4 années d'élevage sont nécessaires pour obtenir une huître commercialisable. Donc, c'est un processus qui, aujourd'hui, est subventionné par l'Union européenne et toujours est-il que l'ostréiculture ne s'invente pas, puisque les naissains qui arrivent sur les côtes françaises vont suivre plusieurs étapes de croissance et iront ensuite mûrir dans un terroir spécifique. Voilà un exemple, en tous les cas, original qui illustre les relations étonnantes avec nos voisins irlandais.
Il y en a d'autres. Je pense notamment à cette alchimie étonnante qui est la complémentarité acier breton charbon gallois. C'est un pôle d'échange qui a énormément stimulé les échanges maritimes, à la fois au niveau de ports costa-mauricains. Certains ont joué un rôle extrêmement important. Peut-être que certains d'entre vous ont en souvenir justement les charbonniers de Jersey. Il y a eu aussi d'autres échanges nombreux avec l'Orient, avec Brest, avec le port de Saint-Malo. Alors, sur les photos qui apparaissent, vous pouvez notamment apercevoir le port du Légué au niveau de Saint-Brieuc. Et tout ce cabotage a été très fort dans le bassin industriel, pas seulement des Côtes d'Armor, mais aussi dans le bassin industriel de Nantes-Saint-Nazaire, et même du côté de la côte de Jade, à proximité de Pornic. Alors, au-delà de ces échanges maritimes, il y a eu aussi d'autres odyssées qui ont joué un rôle important et qui sont souvent oubliées. C'est notamment l'aventure de la Free French Banking. La Free French Banking a été un formidable point de ralliement de la France libre en 1940 et qui a associé de façon indirecte certains réseaux irlandais, même si l'Irlande a choisi la neutralité pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, l'un des piliers de cette Free French Banking, c'est un Breton qui s'appelait René Pleven et qui a agi dans l'ombre de Jean Monnet, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et tout ça pour vous dire que les relations avec l'Irlande, ce sont aussi des relations qui se sont forgées dans des périodes de crise. Alors, l'un des plus illustres écrivain qui a partagé justement cette mémoire, c'est un prix Nobel de littérature que vous connaissez peut-être, qui est Samuel Beckett. Voilà en tous les cas un panorama historique qui nous permet de nous projeter aujourd'hui. Dans un contexte qui est très particulier par rapport au Brexit et plus largement à la question des frontières au sein et même en dehors de l'Union européenne. Alors, le Brexit remet fondamentalement en question des libertés communautaires que nous avons connues, des libertés de circulation qui sont très fortes au sein de l'espace Schengen. Et donc, les transporteurs irlandais aujourd'hui cherchent justement à contourner le Royaume-Uni et à trouver des alternatives pour rejoindre l'eurozone. Et donc, c'est un élément important qui pourrait justement relancer les échanges humains avec le pays du trèfle, qu'on surnomme aussi l'île d'Émeraude. Alors justement, pour relancer ces fameux échanges avec l'Irlande, cela aussi implique de réfléchir à nouvelles modalités des autoroutes de la mer. Alors l'actualité a beaucoup parlé du rôle de la Brittany Ferry avec Cherbourg et le port de Roscoff, mais il y a eu bien avant un rôle stratégique joué par Venise dans ses autoroutes de la mer et qu'on a bien souvent oublié et qui pourtant a été un événement extrêmement ingénieux pour partager des risques. Puisque la Sérénissime République, qui s'appelait, qu'on surnommait Venise, a été aussi la première place pour l'échange de parts dans des navires. Et les marchands du grand commerce mondial y échangeaient des participations dans des galères divisées en carats et mises aux enchères. Et donc, ce système a aussi permis un développement exponentiel de l'arsenal de Venise. Alors, l'ouverture sur Venise et le commerce du Levant a aussi nourri une relation étonnante avec les comptoirs de la sublime porte qui était l'Empire ottoman, aussi ouvert et en relation avec un autre empire qui était l'Empire perse, dans ses échanges maritimes et marchands.
Et il y a eu un événement majeur qui a souvent été oublié en Irlande en 1847. Ce sont des cargaisons qui ont été envoyées par le sultan depuis la Méditerranée pour apporter une aide humanitaire à l'Irlande. Et il existe encore des traces de ces contacts qui ont été tissés avec la sublime porte et les échelles du Levant. Et tout l'enjeu d'aujourd'hui, il est de partager la prise de risque et par là même l'inclusion financière pour faciliter les échanges. Et c'est un sujet qui est constamment remis sur la table. Depuis 2016, le FMI a publié des études quant à l'impact des technologies blockchain sur l'économie mondiale et interroge les possibilités d'inclusion financière. Alors, c'est une actualité aussi qui est très récente. Vous avez une tribune qui a été publiée par Jean-Yves Le Drian le 2 janvier dernier et qui s'intitule France, your closest EU neighbor. France, votre voisin le plus proche. Cette tribune, publiée donc dans les colonnes du Irish Times, vous pouvez la retrouver assez facilement sur Internet. Je vous invite à la parcourir parce qu'elle illustre toutes les formes de coopération que l'on peut aujourd'hui co-construire avec l'Irlande. Cette tribune, elle a aussi le mérite d'ouvrir un débat, et ce débat, je vous propose de l'avoir aujourd'hui au sujet de la Youth Bank. La Youth Bank, elle est un débat au cœur des financements innovants, et j'ai voulu construire cette présentation aujourd'hui en apportant le recul, le vécu, le regard d'un expatrié, puisque j'ai rencontré plusieurs représentants de la diaspora irlandaise au Moyen-Orient, où j'ai travaillé plusieurs années dans le Golfe Persique. Et donc le débat que je vous propose d'avoir aujourd'hui sur le financement innovant, il s'inscrit dans la recherche de nouveaux leviers de construction et d'interdépendance européenne, mais aussi avec le monde. Dans l'idée de considérer que l'argent est là pour investir et l'argent est là pour créer. C'est une forme d'énergie universelle dans les affaires qui permet de faire bouger les choses et de transformer vos visions en réalité. Alors voilà, ce voyage dans l'espace et dans le temps me permet de faire la transition autour du débat qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir, qu'est-ce qu'une Youth Bank? Alors, c'est la publication que je vais vous présenter aujourd'hui, qui fait suite à un travail d'écriture avec à la fois des entrepreneurs, mais aussi des cadres dirigeants. Il y a plusieurs années, le fondateur irlandais des Youth Bank a été invité à Paris pour présenter son concept. Alors, pour mieux comprendre l'alchimie de ce projet, je vous propose de visionner une petite vidéo en anglais qui va vous expliquer le fonctionnement et la manière opérante de ce dispositif avec justement l'implication des différents acteurs. There's nothing else like it in the country. And we think the actual approach that we have now at the minute is very versatile, very flexible. It can be used in many, many different communities with many different groups of young people from 14 to 25 from very different backgrounds. Is my group itself here. On est incapable de visionner, s'il vous plaît, Kevin.
Alors, est-ce que ça fonctionne là? Non, non. On peut rien voir. The accreditation with the OCM grant mechanism, and also in terms of their ownership over the project, it's very much youth-led. It should be something that all young people have the opportunity to go for, because it's, we found it really beneficial, and to think like other young people might have a chance to do it when it's possible if they could. The training that we do with the kids, we have to do ourselves first. So through doing the training myself, it's opened my eyes a lot. So now these young people are learning that to grow their own community, to improve their own community, it takes their effort. They can't wait for somebody else to do it. And I think that's a huge lesson. As the leadership one was the main one. Like, I came in and I wasn't confident. I was shy. I wouldn't need to put my hand up to speak. Now, youth bank has taught me that I'm able to do it. Like, I'm able to do it. So when you've got them already doing that in every part of the country, from Banbridge to Balmain, down to Waterford, then you're really making huge strides in improving the community that they live in. You know, I think it's something that should be embraced in schools as well. For the young people that we've had, I suppose they've been in a transition between secondary school and maybe trying to find employment. So it's been a great opportunity for them to get involved in their community and receive training, which has been fantastic with their CVs, and particularly with the interviewing skills as well. So they were very confident and prepared going in for their own interviews then for college. So it's given them those real employability skills. A lot of the young people get an awful lot of confidence from the delivery of Youth Bank, because it is, you know, a very inclusive space, safe space. You know, it's done at a pace where the young people feel comfortable, you know, so some of them stay 3-4 years and becoming leaders and mentors for the next group coming along. When I want to come back as leader and try and help my own Youth Bank, it's almost like a community regeneration, but it's not done by adults or led by adults in any way. It's young people who affect that change, and any adults that are involved in it, it's just to mentor and support, not to actually make any decisions at all. Really, they're leaders in the community now. It's much, much more than grant making. So youth-friendly and colourful and bright. You know, it's a really fun activity. And the model that we've been using in Ireland, you know, this is the same model that's replicated across the world now. The best part of my working week is doing my Youth Bank. Youth Bank is fairness. Youth Bank is no decision. Youth Bank is making a difference. Youth Bank is giving back. Voilà, alors je reprends cette présentation après cette courte vidéo. Je vais juste interrompre, voilà, et reprendre. Alors l'idée qui a aussi essaimé au Royaume-Uni, elle est née dans les années 90 en Irlande, où plusieurs organisations en charge de l'expression citoyenne des jeunes s'unissent pour collecter des fonds et notamment financer des projets portés par des jeunes avec une vocation citoyenne. Et la particularité de ces youth banks, c'est qu'elles sont gérées essentiellement par des jeunes âgés entre 20 et 25 ans. Mais des référents plus âgés peuvent venir en appui. Alors, l'un des éléments qui est assez original, finalement, dans cette expérimentation, c'est aussi de faire en sorte que les facteurs de paix prévalent sur les facteurs de guerre. Et donc, ce dispositif a aussi permis de réconcilier des catholiques et des protestants en mobilisant des acteurs jeunesse. Et c'est quelque chose qui est très important dans le dialogue qui a permis d'offrir ce dispositif. Alors, comment se positionnent les Youth Banks? Il s'agit d'une structure de financement participatif dédiée aux jeunes talents porteurs de projets innovants, qui va être performant dans la mise en relation d'une part, mais aussi dans le modèle de gouvernance, puisque l'objectif
et d'être une structure pour les jeunes générations. Et donc, l'idée est d'amener les jeunes vers le goût d'entreprendre et la prise de risque. Et donc, au final, semer les graines d'un écosystème qui est très fort en matière de création de valeur. Dans tout ce qu'il y a de plus fort au niveau philosophique, que ce soit dans la vision antique qu'avaient Aristote, Démocrite ou saint Thomas d'Aquin. Alors, il ne s'agit pas de faire doublon sur les dispositifs déjà existants et qui sont déjà nombreux, fondations, associations, mais plutôt de trouver des modes d'action et de réflexion qui soient extrêmement innovants. Ce qui veut dire que les missions du Newsbank sont extrêmement variées. Il y en a 5 principales. La première, vous l'avez compris, c'est la mise en relation. La mise en relation de jeunes talents porteurs de projets innovants et des investisseurs locaux. Il y a aussi comme autre mission qui est notamment d'offrir des conseils personnalisés, des orientations vers des mentors, des parrains, des réseaux qui peuvent aider à accélérer le projet. Sur ce volet, la Youth Bank se veut davantage être un lieu de ressources. Je pense que si on avait à la résumer en une seule idée, il faut la voir comme un véritable incubateur de l'engagement. Et donc, la Youth Bank est aussi un outil qui permet de flécher des financements, des dispositifs d'appui à l'innovation. Et enfin, le pilier fondamental, c'est de proposer une participation financière. Et là, la décision d'attribution du financement est déterminée par une commission collégiale qui va regrouper les membres de la Youth Bank au vu de l'intérêt du projet, de son originalité et surtout de sa viabilité. Alors, comment ce dispositif colle à des besoins ? En fait, il y a eu beaucoup d'études, notamment sur le crowdfunding, et on a réalisé sur le crowdfunding que ce financement par la foule et que les gens qui l'utilisaient, en fait, voulaient aller beaucoup plus loin. Et en réalité, une étude a aussi révélé que 39% des crowdfunders se disaient intéressés pour aider un projet et y participaient plus loin, notamment en termes de conseils. Donc, en réalisant une étude sociologique un peu plus fine, justement, de ces besoins, il est aussi important de bien identifier les freins et les accélérateurs autour de l'entrepreneuriat des jeunes. Alors, il y a des chiffres, notamment de l'INSEE, qui considèrent que 50 à 60% des jeunes ont l'intention de créer une entreprise, mais toutefois, il y a malgré tout des freins. Alors, parmi ces freins, il y en a 3 majeurs. Tout d'abord, on observe en fait un essoufflement des jeunes face au circuit bancaire classique. Ensuite, il faut observer le manque de transition expérientielle entre l'âge adulte, la fin d'études et l'adolescence. Et puis, il existe aussi d'autres freins, mais tout ceci, en fait, illustre bien souvent un manque de moyens financiers comme principal handicap à la concrétisation de leur projet de création. Alors, de nouveaux défis, il y en a. D'abord, révolution numérique, qui fait aussi évoluer fortement l'esprit d'entreprise. Et qui révèle aussi encore une fois qu'il y a un trou dans la raquette sur le volet de l'accompagnement et du financement innovant en direction des jeunes. Alors, quel est le fonctionnement global et comment les Youth Banks sont déclinées localement en Irlande, mais aussi au Royaume-Uni où elles s'articulent ? Il existe ce qu'on appelle les Golden Rules. Cela prendrait un peu trop de temps à toutes les décliner. Toutefois, je vous propose d'en retenir l'une des règles fondamentales, c'est que les Youth Bank, et ça, c'est la règle d'or, la Golden Rule, c'est que les Youth Bank doivent être créés et gérés par des jeunes. C'est très important, même si des coachs, des mentors, des tuteurs, des entrepreneurs pourront soutenir, aiguiller, aider les jeunes
sans toutefois les influencer. Alors, quelques missions structurantes qui sont aussi à retenir pour réussir l'architecture de la Youth Bank, il faut des piliers solides. Et parmi eux, on retrouve souvent un peu la même chose, c'est de pousser à la fois des jeunes à s'associer et donc mener un travail permanent de sensibilisation, d'événements thématiques et de mise en réseau avec les interlocuteurs, les protagonistes pertinents. Alors, ce qui peut expliquer aussi la mise en œuvre du modèle irlandais et du modèle britannique, on a aussi beaucoup de structures assez fortes de confédérations. Il existe des confédérations des Youth Bank en Écosse, en Irlande, et ces slides alors, vont justement, ces pôles vont justement apporter un support logistique, mais aussi des relations institutionnelles. Et donc, ce modèle irlandais, il a, je pense, tout intérêt à se transposer en France, dans des régions. Et c'est le sens de mon ouvrage qui développe des préconisations pour expérimenter une Youth Bank pilote. Et donc, la parution que j'ai coécrite avec des entrepreneurs et des cadres dirigeants propose également différentes étapes de mise en place. C'est pourquoi je suis heureux de vous annoncer donc, la publication d'un livre blanc qui s'intitule « Vers l'expérimentation d'une Youth Bank ». C'est une publication en français que je peux aussi transmettre aux personnes intéressées. Alors, le débat reste ouvert, il a aussi vocation à animer un laboratoire d'idées, puisque de nouveaux leviers peuvent s'imaginer en permanence, et parmi les éléments alternatifs, beaucoup d'idées foisonnent. Peut-être que certains d'entre vous ont, à ce titre, entendu parler de ce qu'on appelle le « Media for Equity », qui consiste à offrir des espaces publicitaires à des associations et des start-up. Et ce sont des grands groupes, comme JC Deco, aussi Aéroports de Paris, qui ont été précurseurs en Europe dans ce domaine. Donc, c'est une voie qui est assez intéressante, alors qu'il peut mobiliser des arrêts de bus, être un outil extrêmement fort de réappropriation de l'espace public. Je pense que c'est une voie, en tous les cas, qui est assez intéressante à explorer dans ce débat. Je vous signale quelques outils numériques pour rester en veille sur le sujet. Si vous souhaitez recueillir la publication ou recevoir d'autres actualités, vous pouvez vous signaler sur des outils numériques. Et je voudrais vous remercier en tous les cas pour votre attention. Et vous inviter, si vous le souhaitez, à réagir et avoir un petit moment d'échange qui va maintenant ponctuer le déroulé de ce webinaire. Merci à vous. Avez-vous des réactions ? Ou avez-vous des expérimentations que vous avez vues dans d'autres pays? Ou avez-vous pu voir peut-être des idées de partenariat, des dynamiques collaboratives qui pourraient se développer? Emmanuel? Non, pas d'idées? Pas vraiment, pas vraiment. D'accord. Il y a, en tous les cas, si le sujet vous intéresse, il y a ces liens, ces outils numériques qui existent à la fois sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook, dans lesquels vous pouvez participer et réagir à ce sujet intéressant et très stimulant des financements innovants.
D'accord, je vais vraiment le suivre, le lire attentivement et s'il y a des contributions, je le ferai sans doute. Merci beaucoup. Écoutez, merci à tous pour votre attention. S'il n'y a pas plus de questions, je vous laisse. Je vous remercie de vous être libéré pour cette fenêtre de temps relativement courte et je vous transmettrai la présentation PowerPoint si vous le souhaitez par courriel. N'hésitez pas à réagir en tous les cas sur les trois leviers qui sont disponibles, Instagram, Twitter ou Facebook, Usebank France. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous aussi, Kevin. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.